Liu Bei parvient à rejoindre le royaume du Wu, où Zhuge Liang et lui tentent de forger une alliance. Sun Jian sait que Cao Cao est sur le point d'attaquer le Jiangdong, et une alliance ne serait pas trop face à l'immense armée de Cao Cao. Le royaume du Wu aussi entre bataille et reddition. Mais finalement, Sun Jian prend la décision de combattre aux côtés de Liu Bei. Le sort du Wu dépend de la coopération avec Liu Bei. Se rapprochant du Jiangdong, la flotte de Cao Cao se prépare à frapper. Zhu Yu et Zhuge Liang, les stratèges respectifs de Sun Jian et Liu Bei, mettent un plan au point pour repousser l'immense flotte du Wei. L'armée de Cao Cao, bien que massive, n'est qu'une cohue. Il n'y a pas à avoir peur. Je dois partir. Je vous laisse le reste. Nous allons invoquer un vent du sud. Ne prends pas ces grands airs. Zhuge Liang! Le vent! Zhang Jiao, Dong Zhuo, Lu Bu, Yuan Shao. Et maintenant, nous allons attaquer les Wu! Zhuge Liang, Zhu Yu. Votre destin doit s'arrêter là! Je vais faire appel au vent. Attendez les vents avant de laisser l'ennemi approcher le lieu des prières. Dirigez-vous sur Zhuge Liang. Il devrait y avoir un lieu de prière au sud-ouest. Nous mettrons fin à son plan. Envoyez une unité pour arrêter l'invasion du Wei. Protégez les lieux de prière aussi. Tenez jusqu'à l'arrivée des vents du sud-est. Alors cette bataille sera la nôtre. Pourquoi te débarrasser de ta vie de façon aussi stupide? Je suis Xiao Tun. Tiens, pas toi! Sous mon épée! La prochaine fois, tu mourras. On m'appelle Gan Ning le Bourdon. Amusons-nous un peu. Tu as plus de talent, on nous le dit. Désolé, je dois y aller. Je déborde des gens comme ça, mon petit déjeuner. J'ai vaincu un officier. Voici quelqu'un que même moi ne peux battre. Reculez! Ah! Les vents du sud-est. Zhuge Liang. C'est le diable. Les préparations sont terminées. Oui, Wang Gai. Mets le plan en route. À toutes les unités. Couvrez Wang Gai. Tant mieux, le vent. Nous allons commencer la contre-attaque. Ne sois pas en retard. Les forces Wu contre-attaquent.
Ne sois pas insolent. Tu penses pouvoir te mesurer à moi ? Imbécile ! Es-tu pressé de mourir ? Un adversaire à ma mesure ? Impossible ! Nous aiderons Wang Kai ! Ne laissez pas un seul ennemi vivant ! Toutes les unités, passez à la contre-attaque ! Wang Kai lance l'attaque ! Zuyu ! Tu es fou de me narguer ! Repoussez-les ensemble ! Restez ensemble ! Faisons cela ! J'en mange des comme toi au petit déjeuner ! Ne vous laissez pas surpasser ! Battez-vous ! Nous nous reverrons. Voici le moment de vaincre Cao Cao. Battez-vous bien. Quoi ? Ils sont aussi ici. Assurez la retraite. Nous allons nous retirer. Cao Cao commence à se retirer. Coupez-leur la retraite. Nous prendrons Cao Cao. Quoi ? Zhuge Liang ? Ils y étaient préparés ! À tous, ne devenez pas une des conquêtes Chou ! Cette victoire appartiendra au Wu ! Vous pensez pouvoir m'affronter ? Comme c'est drôle ! Moi, Zhang Liao, je vous combattrai ! Au nom de la justice. Vous êtes meilleur commandant qu'on ne le dit. Même le grand Zhang Liao peut perdre parfois. Allons-y maintenant. Nous allons attaquer Cao Cao. Tous ceux qui se dresseront contre moi périront. Pauvre fou, tu vas mourir. J'ai vaincu un officier. Il n'y a pas d'honneur à gagner cette bataille. Enfin un adversaire de valeur. Impressionnant. Je vais me retirer. Pour l'instant. Maintenant, nous allons vaincre Cao Cao. Attaquons ! Montre-moi si tu as des tripes. J'ai enfin trouvé un adversaire à ma taille. Seigneur ! Des renforts ! Poussez à l'attaque ! Cette bataille n'est pas encore terminée.
Tout le monde se dirige sur les commandants ennemis. Il leur reste encore autant de troupes? Ne flanchez pas, nous dominons encore! J'éliminerai tous ceux qui se dressent en travers de mon chemin. Je ne peux pas déjà mourir. Malgré le désavantage du Wu, celui-ci l'emporte face à l'immense flotte de Cao Cao grâce à l'invocation du vent du sud-est par Zhu Geliang et l'attaque par le feu de Zhu Yu et Wang Gai. Cao Cao n'a d'autre choix que de fuir et de retourner à sa capitale.